un mort demande à boire. Le puits n'a plus tant d'eau qu'on le croirait. Qui portera réponse aux morts? La fontaine dit « Mon onde n'est pas pour lui ». Or, voilà toutes ses servantes en branle, chacune avec un vase, à chacune sa source, pour apaiser la soif du maître, un mort qui demande à boire. Celle-ci cueille au fond du jardin nocturne le pollen suave qui sourd des fleurs dans la chaleur qui s'attarde à l'enveloppement de la nuit. Elle développe cette chair devant lui, mais le mort a soif encore et demande à boire. Celle-là cueille par l'argent des prés lunaires les corolles que ferma la fraîcheur du soir. Elle en fait un bouquet bien gonflé, une tendre lourdeur fraîche à la bouche, et s'empresse au maître pour l'offrir. Mais le mort a soif et demande à boire. Alors la troisième et première des trois sœurs s'empresse elle aussi dans les champs, pendant que surgit au ciel d'Orient la claire menace de l'aurore. Elle ramasse au filet de son tablier d'or les gouttes lumineuses de la rosée matinale, en emplit une coupe et l'offre au maître. Mais il a soif encore et demande à boire. Alors, le matin paraît dans sa gloire et répand comme un vent la lumière sur la vallée. Et le mort percé de rayons comme une brume, s'évapore et meurt. Et son souvenir même a quitté la terre.